The crown of consciousness continues. Notre conscience continue. We lived together for a long time. Nous vivons ensemble durant une longue période de temps. And with the family of our palace. Avec notre famille dans nos palais. Time touches the body very slowly. Le temps touche le corps très lentement. Et lorsque le moment émerge, de quitter le corps et d'en prendre à nouveau. The crown of the family has been passed. La couronne de la famille. A subtle shift is felt. Est passée. As child now becomes father. Et on ressent un changement subtil alors que l'enfant devient le père. Et le père va bientôt devenir un enfant. Honored and honorable. It is honoré et honorable, c'est un acte simple. Of slipping from one costume de to another. Passer d'un corps, d'un costume à l'autre. Elegant. With ease and grace. Cela se passe avec élégance, facilité. Nous sommes conscients de la présence de l'autre de façon constante. A cocoon of love encircles us. Un cocon d'amour nous entoure alors que nous prepared for this sweet transition. Alors que nous essayons préparés pour cette transition. I see my father. Je vois qui ferme les yeux de son costume. And gently slip out. Et qui s'envole, qui gentiment se glisse, sort de ce corps. Nouveau corps l'attend. In the mother's womb, nearby, for his sweet arrival. Un nouveau corps l'attend dans le ventre d'une mère, pas loin de là où il est. Il y a un sentiment d'amour. Et du fait d'être ensemble. Et continue lorsque nous nous voyons de nouveau, nous rencontrons de nouveau.
Et l'autorité toute puissante et votre compagnon, y aura-t-il de la lourdeur? Vous faites une petite erreur lorsque vous considérez que c'est votre responsabilité, votre tête devient lourde. La vie brahmine est pour danser, chanter et faire l'expérience du plaisir. Il s'agit du service à travers les actions ou à travers les mots. Service est un jeu. Le service n'est rien d'autre, c'est un jeu. Certains jeux sont joués avec l'intellect et d'autres sont des jeux plus légers, mais sont tout de même des jeux. Est-ce que votre tête devient lourde avec des jeux intellectuels? Par conséquent, jouez à tous ces jeux, jouez tous ces jeux. Vous ne travaillez pas, vous jouez. Peu importe à quel point une tâche est élevée, à quel point elle peut nécessiter une grande attention pour une âme qui est un maître à l'autorité toute puissante, tout est un jeu. Est-ce que c'est comme cela? Est-ce comme cela? Ou est-ce que parfois vous êtes un petit peu fatigué? La majorité d'entre vous est infatigable, mais parfois vous êtes un petit peu fatigué. Le geste du trésor, du temps, des mots, de la connaissance ou des richesses physiques. Si vous les utilisez avec la méthode de faire l'expérience de yoga, chaque trésor continuera à accroître, à grandir. Les enfants, je suis toujours avec vous.
Om Shanti. Om Shanti. Aviak signal. Essayez la viacte afin de réussir dans le test final, faites croître le pouvoir de discerner. Votre promesse est nous appartenons à un et nous resterons toujours avec l'un. Nous suivrons les conseils de l'unique, que cela soit toujours ferme. Plus vous restez stable dans le niveau Aviat, plus vous pourrez facilement discerner Maya et être resté en sécurité. En restant dans le niveau Aviat, vous ferez l'expérience de la spiritualité dans chaque action. Supersensuous joy. Faire l'expérience d'une joie au-delà des sens à travers tous vos sens physiques. La spiritualité et l'unicité ou l'aspect d'être unique seront visibles sur votre visage. Avec Tipantage, aujourd'hui, nous sommes le 29. Créer le paradis en nous-mêmes, le silence de cette yug. Om Shanti, everyone. Okay. Everyone Shanti, is okay. Tout le monde va bien. Je suis contente de vous voir tous. Yes, it's truly Baba said that every oui, c'est vrai que chaque mot de Baba vaut des millions. Baba teaches us not to waste. But also how to use it in Baba nous enseigne non seulement de ne pas perdre, mais aussi d'utiliser chaque chose de façon qui soit valable, qui en vaut la peine. Donc, en gardant Baba comme notre compagnon, donc on vient le trésor des pensées, du temps, donc tous les trésors continuent à se multiplier. Donc, il y a aussi, en ce qui concerne le pouvoir de discerner, le fait que Baba nous dit que tout en faisant toute chose, considère tout comme étant comme un jeu. Donc, Donc, parfois, il parle aussi de la fatigue. Parfois, nous devenons fatigués lorsque nous faisons trop de choses physiquement, mais il y a aussi une autre forme de fatigue intérieure. Et Baba nous dit non, continuez à jouer. Et crée le sanskar d'être infatigable. Un des sanskars naturels de l'âge d'or. Et la compréhension que l'âme est immortelle et que le corps est mortel. Donc, quand le corps est mortel, il passe à travers différents âges. Et on change aussi de corps. Mais tout sera si naturel. C'est child, then adult, and then old age, and then. Maintenant, nous connaissons l'aspect de l'enfant, l'adulte, la personne âgée, mais de nos jours, on essaye de conserver le corps le plus longtemps possible, mais à l'âge d'or, l'âme quittera le corps au bon moment, il n'y aura rien d'extérieur comme.
Now, because of aucun support au corps, le support extérieur maintenant à cause de l'attachement au corps. On continue à essayer de garder quelque chose. Et à l'âge d'or, ce sera naturel. Donc, nous savons que le corps de maman n'était pas bien, mais à la fin, elle était à Madhuban, elle était à Baba, elle écoutait le Morli, elle a distribué naturel. Le dernier jour, c'était tellement beau, naturel. Donc, il y a un moment où les médecins ont dit qu'il n'y a plus de médicaments possibles. Et quand je dis laisser l'âme vivre autant qu'elle peut, et jusqu'au dernier moment, maman était présente et nous avons eu des raisins qui venaient du jardin et on les a offerts en pot. Donc, maman les a offerts à chaque personne. Donc, j'étais à Delhi. Donc, tous les professeurs principaux étaient allés à Madhuban parce qu'on savait que maman allait quitter le corps et moi, je suis restée à Delhi. Mais avant cela, j'ai passé quelques temps à Madhuban et le visage de maman avait cette radiance. Et de la même façon, à l'âge d'or, chaque âge de la vie sera très naturellement, ça passera naturellement de l'un à l'autre. On ne va pas forcer le corps à rester. Il y aura la conscience, il y a la conscience d'être immortel, la conscience de changer de corps. Donc, toutes ces consciences seront présentes tout en étant en conscience d'âme à l'âge d'or. Et cet aspect aussi d'un clan, un type de vie, un style de vie. On a cela déjà maintenant. Ici, nous sommes attentifs à ce qu'il ne devrait pas avoir de body conscient, de conscient du corps, pardon. Mais à l'âge d'or, tout sera naturel. Il y aura le sentiment d'appartenir à un clan. Ce sentiment d'appartenance sera très beau. Tout le monde aura le sentiment d'appartenir à chacun. À l'âge d'or, il n'y aura pas. Les enfants sortiront et joueront ensemble. Donc ici, par exemple, dans le quartier où on est, nous ne connaissons pas les gens donc, qui sont autour de nous. Mais à l'âge d'or, c'est comme quand Dadi Prakash Mani s'asseyait dans la cour de Madhuban, elle disait bonjour à tout le monde. Elle disait bonjour à tout le monde. Proximité dans le sentiment d'appartenance sera très naturel à l'âge d'or. Et j'aime aussi ce concept du silence de l'âge d'or. On n'aura pas grand-chose à se dire. Notre dictionnaire sera très petit. Il y aura la musique des oiseaux, de l'air, de l'eau, donc ce sera vraiment très calmant pour très commun. J'aime aussi cet aspect now even we are pulled towards silence, right?
Maintenant, nous sommes attirés par le silence. Et à l'âge d'or, on n'aura pas grand-chose à se dire. Donc ici, on parle à propos de différentes choses pour passer faire passer le temps, créer la joie à travers les communications. Donc, à l'âge d'or, on ne va pas faire la même chose de s'asseoir. On parle, mais on ne va pas s'asseoir pour discuter comme on le fait maintenant. Where we take off shoes was like open, very beautiful sky, and so there donc, will be a cot, and Baba will sit sometimes donc, like. Quand c'était, you know, he won't sit that long. Donc quand c'était l'époque de Baba et Mama, c'était tout était très très naturel. Il vivait d'une façon tellement naturelle. Et il est parti d'une façon très naturelle. Et il regardait l'image de Sri Krishna et il disait, demain, je serai comme ça. Et quand on regardait le visage de Baba, l'expression qu'il avait, c'était celle d'un petit enfant, d'un enfant divin, Sri Krishna. On avait un exemple vivant, donc on doit suivre cela non seulement sur la base de la connaissance, mais dans notre vie. Om Shanti, Mohini Devi. Om Shanti. Nice to see you. Yeah, it's really, I'm enjoying it so much, really. Oh, c'est agréable de te voir. C'est notre dernière. Donc j'ai trois questions. C'est notre dernière soirée. I listened to the Hindi as you were, you know, but the English version of the Hindi, Murali. Mm. And you said such beautiful things about, like, the. Donc, j'ai écouté. Strings of the sitar pull the strings of the heart, you know, and you were connecting the music. Donc, j'ai écouté quand tu as parlé, quand tu as parlé en groupe, non, en hindi, et tu parlais de la sitar, en fait, et que cela, ce serait très beau. Donc, et tu nous dis aussi que. Donc, le silence sera naturel. Quand il n'y a pas donc en fait, il sera très facile à l'âge d'or de passer d'un corps à l'autre. Quand tu passes au fait de passer d'un corps à l'autre à l'âge d'or, y aura-t-il une cérémonie? Y aura-t-il d'autres gens? Comment ça va avoir lieu? Quel est ton avis sur ce passage, cette transition d'une vie à l'autre par rapport aux commentaires qu'on a écoutés? Mm-hmm. Donc, il devrait y avoir des gens qui sont là pour dire au revoir et d'autres pour te. Quand on part en Inde, ce qu'ils font, c'est qu'ils invitent les enfants, les petits-enfants, ils invitent tout le monde pour dire au revoir. Donc, on dit informe ta famille, ce sont les derniers jours de cette personne. Donc, tout le monde vient pour dire au revoir. Bon, ici, il y a de la peine, il y a l'attachement, mais aussi quand Brahma Baba est parti, vous serez surpris. On sentait qu'il était très calme depuis quelques jours et qu'il a décidé de faire tout ce qu'il avait à faire. Donc, signer tous les papiers, le musée
Vous, c'était la dernière chose qu'il devait signer, le papier. Il y avait environ 10 à 12, entre 10 et 12 personnes qui étaient là et qui sont allées dans la chambre de Brahma Baba. Et il a donné sa main d'Adi Prakash Meni. Donc, il y a eu un au revoir. Comme je dis, cette conscience, deux choses. L'une, c'est l'immortalité de l'âme et la mortalité du corps. Et Baba donne aussi cet exemple quand le serpent a une nouvelle peau, il naturellement quitte la vieille peau. Donc, c'est vraiment cette image que l'âme quitte le corps parce qu'il y a un nouveau corps qui est prêt. Non. Donc maintenant, on pourrait dire où est-ce que je vais aller. Mais si on a la pensée, je vais aller vers Baba. Et Brahma Baba, lui, avait toujours la pensée, je vais devenir le petit Krishna. Et on pouvait voir cela sur son visage, son sourire. Donc, il n'avait pas du tout l'air d'un vieil homme, il avait l'air d'un enfant. Il n'avait pas la conscience d'être un vieil homme. Un jour, il était assis sur le sol, sur un coussin. J'ai voulu lui donner ma main pour l'aider à se lever. Et il m'a dit, il a dit dans mon oreille, « Est-ce que tu me regardes comme un vieil homme ?» Donc, il n'a pas conscience d'être vieux. Il avait la conscience, oui, le corps doit partir, je vais devenir Shri Krishna. Et garder cela dans notre esprit. Ce n'est pas Krishna, c'est dans la famille royale de Krishna. Et si on garde cela dans notre conscience, c'est très facile. C'est très léger, la transition, d'une très belle façon. Est-ce que tu commences à te sentir plus comme un enfant? Oui, d'une certaine façon, oui. Parce qu'on garde notre intellect plus léger, plus connecté avec Baba. Et en regardant ce dont les gens ont besoin, ils ne veulent pas quelque chose de sérieux. Ils veulent juste faire l'expérience de l'amour, de la légèreté. C'est vraiment le service qui est nécessaire en ce moment. Et cela, nous, bien sûr, il y a le yoga, le avyak qui a lieu naturellement, donc ce n'est pas sérieux quand on, que ça a lieu naturellement lorsqu'on suit Srimat. Donc ce niveau avyak émerge naturellement. You're aware that the costume is old, but inside you're feeling younger. Judith fait donne le commentaire. Tu es conscient que le corps devient plus vieux, mais que l'âme est jeune. Et donc, il répond oui, c'est la fin du corps, mais la nouveauté. To this whole month, us talking about the golden age for. Donc, je me demande en ce qui concerne ce mois qu'on a pratiqué sur la conscience, Dame, qu'est-ce qui t'attire à Satyug? Les aspects essentiels. Donc, je suis attirer plus vers le silence. Mais il y a beaucoup d'amour naturel pour les âmes et le sentiment d'appartenance. Donc, le sentiment de nous sommes un, nous sommes ensemble.
one clan and one family. Donc ce silence, l'âge d'or, un clan, une famille, cela émerge de plus en plus ce sentiment. Et cela émerge parce que je comprends que cela va être comme ça, l'âge d'or. Parfois je comprends et j'essaie d'expérimenter, et parfois j'expérimente et cela m'aide à comprendre. Et donc, de cette façon, la compréhension m'invite à faire l'expérience et vice-versa. Donc, par exemple, le point d'aujourd'hui, faire l'expérience de la joie au-delà des sens tout en utilisant les organes des sens. Donc, en général, on parle d'aller au-delà quand on parle de l'expérience de la joie de la décence. Mais là, dans le contexte dont Baba parlait, c'est différent, c'est amener cette expérience de joie de la décence alors qu'on on est dans l'action. Récemment, nous avons eu le call of time, donc l'appel du temps, donc une retraite, appel du temps. Mais en 2-3 jours, les gens qui ont participé sont devenus très légers, très une retraite, alors qu'ils sont arrivés avec beaucoup de difficultés. Donc c'est important de permettre de faire émerger ces choses-là. Si j'ai bien compris, donc tu as une réalisation. Donc, si j'ai bien compris, le niveau futur, tu expérimentes le niveau futur maintenant. Qu'est-ce que Mama fait en ce moment? Qu'est-ce qui va se passer avec Mama? Elle va devoir attendre 10 ans après que Baba va prendre naissance sous la forme de Krishna. Donc, quand j'ai offert, Baba dit clairement, ne pensez pas à cela, où est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle fait, mais elle est connectée au Yagya. Donc, de la même façon que les pères religions, les religions principales doivent soutenir leur religion, Mama et Baba doivent soutenir le Yagya. Quel que soit l'endroit où se trouve Mama, elle est très connectée avec le Yagya. Donc, her stage. Quel que soit le niveau de Mama, elle va avoir la conscience à un moment donné qu'elle doit devenir Radhe. Because here in Copper Age, Iron Age, there is vast difference of age, and because of that, one leaves body, then another is left alone. Donc, elle clarifie qu'il ne s'agit pas de une ou deux années d'écart entre il n'y aura pas de veuf à l'âge d'or. C'est ce qui va se passer à l'âge d'or. Donc, de la même façon, il n'y a pas 8 ans de différence entre Sri Krishna et Radhe. La transition aura lieu de façon très naturelle. Bien sûr, dans la vie suivante, ils auront des relations différentes. Je ne comprends pas les détails, mais c'est bon. C'est quand même un problème de mathématiques. Ça n'a pas beaucoup d'importance.
there will no, be no widows, because I remember him saying that, yeah. Thinking, but they're 10 years apart. How? Pour moi, c'est nouveau. Je pensais qu'ils avaient 10 ans d'écart. Hein. Même maintenant, on a... Donc, ils essayent de... En général, s'ils le font bien en Inde, il y a un an, une année d'écart. Mais originellement, quand les... Il s'assurait qu'il n'y avait pas une grande différence d'âge quand il quitte le corps. Le corps, pardon. Il y a une petite différence. Et même encore, cela encore a lieu. Il y a encore des choses qu'ils font encore en Inde, mais on ne comprend pas. Pourquoi est-ce qu'ils regardent l'âge du mariage? C'est pour, afin que l'autre ne reste pas seul longtemps. Non, ce n'était pas comme ça. Donc, c'est difficile parce qu'ils vivent ensemble pour 50 ans, par exemple, et après, ils se retrouvent tout seuls. Mais à l'âge d'or, il n'y aura pas de souffrance. Il n'y a pas d'attachement, mais... Donc, les choses sont harmonieuses. A surprise to me that we took leave and we did such a good job of saying goodbye all the time, and I was the kind of person that would just leave, you know. And pour moi, j'étais toujours j'étais très très surprise du fait qu'on dise au revoir. Donc j'ai pensé que dans la vie brahmine on a l'habitude de prendre, de quitter l'autre en prenant, en disant au revoir correctement. Et j'ai fini par trouver que c'était magnifique de faire ça. Donc, avec Daddy Janky, à chaque fois qu'on lui disait au revoir, elle donnait un toli et disait au revoir correctement. Et un jour, je lui dis, oh, je prendrai un toli demain. Elle a dit, mais qui c'est qui a vu demain? Oui. Donc, vivez avec amour, vivez avec harmonie. On ne sait pas combien de temps nous avons. Donc, on ne sait pas comment les choses vont évoluer. Donc, on doit créer ce sentiment toujours de... It's a rule of thumb as a Brahmin, take the toli always, whenever it's offered. We're good at that. Donc, c'est une règle dans la famille Brahmin, non, toujours prendre le toli. Donc, cette initiative qu'il y a de Baba par rapport aux gouttes en or. Donc, cette initiative, donc je suis sûre que beaucoup ont entendu parler de cela, parce que ça a lieu depuis un mois. Donc, c'est une initiative pour engager donc le cœur et l'esprit de nos amis et nos familles dans le monde entier, mais l'humanité qui n'étudie pas avec Baba, ils sont très dans une dépression. Donc ils ont la mémoire et un beau monde. Donc on utilise un langage universel, mais on inspire des images de beauté. Donc, on aide. Donc, voilà, c'est une initiative globale des Brahma Kumari qui engage les cœurs et les esprits
consciemment un beau monde. On fait cela avec l'Inde, c'est une initiative partagée. Donc cela permet aux générations de toutes. Donc là, vous voyez, il y a le Facebook, YouTube, Instagram. Donc, c'est pour avoir accès vraiment à toute sur la population. Est-ce que c'est OK de voir Charlie maintenant? Donc voilà, ça dure 3 minutes, c'est ce qui a été partagé aujourd'hui. C'est notre frère Charlie qui parle de l'importance de faire cela. Les gouttes d'or. We live in such an extraordinary world. Nous vivons dans un monde tellement extraordinaire, environ 8 millions d'êtres humains, et certains nous disent que chacun d'entre nous génère 70 000 pensées dans la journée. Comme si nous créions. Une énergie collective. Lorsque je me reconnais à mon être spirituel, cela commence à me connecter au silence qui est en l'intérieur de moi, une énergie qui permet de la guérison, qui nourrit, qui restaure et qui crée. Et lorsque ma lumière de la conscience est allumée, alors je commence à émaner une différente vibration, une vibration de silence qui change le monde. Cela commence à m'influencer. Et ça commence à toucher aussi le monde matériel. Et cela influence aussi l'environnement et les autres. Et pourquoi ne pas offrir vos pensées en or, comme nos pensées collectives créent l'atmosphère maintenant, de la même façon. Nos pensées de silence commenceront à créer le nouveau. Pourquoi ne pas vous joindre à nous et créer le monde que nous avons dans notre esprit? Mettre la lumière sur la beauté. Créer consciemment un beau monde, partager vos gouttes en or. So any words, I guess, from you, just good wishes for the initiative. Donc, it's so beautiful. C'est tellement beau. Juste le fait d'écouter. Just a beautiful smile. Le magnifique sourire. Le cœur sourit.
partager ce sourire avec chacun. Golden, pure, peaceful, loveful. Just hold this. Garder cette conscience par garder, en gardant dans votre, dans vos pensées, le monde, l'univers, harmonie between humans and the nature, entre les humains, avec la nature, des sentiments plus d'amour pour chacun, des sentiments d'amour et je veux assurément participer de façon active et encourager les autres à participer et en créer consciemment un nouveau monde, un monde. Om Shanti, thank you so much, Tina. We will get a golden drop from you very soon, okay? All right, thank you. Thank you, it was beautiful. C'était très beau. Good night, Didi. I think it's homework time for tomorrow. We're not calling it homework. Golden practice time. Donc les pratiques de l'âge d'or. Donc demain, nous allons pratiquer le sanskar de l'âge d'or, d'être éveillé et beau vis-à-vis de tous les membres de ma famille. Tera pyar mila.
Om Shanti. Good night, everyone. Good night. Om Shanti.